Bonjour, on se retrouve depuis l'esplanade Paul Grimaud à Annecy pour lancer cette quotidienne du festival. Paul Grimaud est l'un des maîtres de l'animation en France et justement à l'animation, nous allons en parler toute la semaine. Nous allons vous faire partager les coulisses et les temps forts de cette 38e édition du Festival international du film d'animation. Nous parlerons aussi bien sûr du marché du film qui commence mercredi. Alors vous le voyez sur ces images, les festivaliers sont arrivés, ils vont continuer à arriver toute la semaine. L'occasion de vous présenter le premier chiffre de la semaine, 7100, c'est le nombre d'accrédités attendus jusqu'à samedi. Et puis l'une des personnalités attendues aujourd'hui et cette semaine, c'était bien sûr Carlos Saldana, le réalisateur de L'Âge de glace. Il est venu présenter au public son dernier film, Rio 2. Nous l'avons rencontré, on l'écoute. À l'époque où j'ai fait mon premier film, L'Âge de glace, il y avait à peu près 4 films d'animation par an. Maintenant, c'est entre 18 et 20. Ça fait vraiment beaucoup. Tout d'abord, ma motivation vient de cette passion pour l'animation. Les idées viennent toujours dans ma tête. On ne sait toujours pas ce que ça va donner, comment ça va être perçu, mais on suit notre instinct. On suit notre imagination et on s'efforce de rendre les idées les plus percutantes possibles. On s'efforce d'imaginer un univers dans lequel le public a envie d'être transporté ou encore on essaye de construire des histoires et des personnages avec lesquels ils se connectent. Quand j'ai fait Rio 2, c'était passionnant et amusant de passer de l'âge de glace à un univers tropical avec de la musique. Maintenant, dans Ferdinand, mon prochain projet, je pars dans une histoire incroyable et simple à la fois, qui signifie « Sois toi-même ». J'emmène les gens en Espagne, à Madrid, et ça me passionne vraiment. C'est ce que je recherche et je le retrouve dans ce projet. Un des conseils que je peux donner aux jeunes étudiants est « si c'est ce que tu aimes faire, alors fais-le et bats-toi pour ça, continue d'apprendre ». On pense qu'on apprend seulement à l'école. Moi-même, je continue d'apprendre. Chaque film que je fais est un nouveau film, une nouvelle expérience, et c'est très important de ne pas oublier ça. Le public justement que Carlos Saldana apprécie tant à Annecy est partie prenante du festival chaque année. Avec, vous allez le voir, quelques rituels devenus incontournables. Chaque année, les habitués du festival reprennent leurs petites habitudes dans les salles annéciennes. Les petits nouveaux se plient rapidement aux rituels créés au fil des années par le public. L'ambiance d'Annecy, nous avons l'habitude de dire qu'elle est un peu particulière. Elle est à la fois très chaleureuse, certains diraient chaude. Il y a des rituels, les avions, la manière dont on scande le film d'ouverture, généralement, quand on trouve matière à scander, mais généralement c'est le cas. Et c'est notamment du fait de la présence de beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'étudiants, et qui après, quand la séance démarre, quand le film commence, sont très respectueux des œuvres. Donc voilà, tout ça crée une ambiance qui est très chaleureuse. Sur l'ensemble de la semaine, près de 110 000 entrées sont comptabilisées. Annecy attire des amateurs des quatre coins du monde. Nous sommes de Hollande, Rotterdam. Angoulême, donc voilà, ville de la BD et de l'image aussi. Je suis étudiant dans une université chinoise. Nous sommes venus voir des dessins animés, des films, rencontrer des gens et apprécier le soleil. La découverte d'un univers plus sérieusement, plus en approche des professionnels et de ce qui se fait en France. Nous préférons les films comiques, avec des personnages comiques. Je suis venu ici pour rencontrer des nouveaux amis et pour voir des nouvelles choses. Le public a aussi son mot à dire dans la compétition. Le prix du public est l'un des plus convoités. Dans cette quotidienne, chaque jour, nous allons vous présenter les coulisses du festival, à commencer par les hommes et les femmes qui contribuent à sa bonne organisation. On commence tout de suite avec Marcel Jean, le délégué artistique du festival, qui nous parle de son métier. J'ai fait plusieurs métiers
dans le monde de l'animation avant de commencer à travailler comme programmateur dans divers festivals et notamment à Annecy où Serge Bromberg à l'époque m'a invité à 3 reprises à programmer des séances spéciales ici. Et c'est ce qui a fini par me mener à prendre sa suite l'an dernier. Et le travail de délégué artistique, c'est celui d'un programmateur, c'est quelqu'un qui doit imaginer, concevoir et concrétiser toute la programmation d'un festival, donc lui donner sa couleur, faire en sorte qu'il y ait une particularité dans la sélection du festival. Alors j'essaie d'offrir au public d'Annecy et aux festivaliers le portrait le plus complet et le plus exact possible de l'état de l'animation en 2014. C'est la fin de cette quotidienne. On se retrouve demain avec de nouvelles rencontres et de nouvelles images. Et on se quitte avec un extrait de Minuscule, l'un des 9 longs métrages en compétition cette année. Juste le temps pour moi de vous parler des grands rendez-vous à ne pas manquer demain. À 22h15 sur le Paquet, ce sera la projection de La Reine des Neiges en version karaoké. Il ne faudra donc pas hésiter à pousser la chansonnette. Et puis à 22h30 devant la turbine de Cran-Gevrier, ce sera Rio 2. À demain. Une boîte à sucre qui allait tout bouleverser.